Allez, salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Valhalla. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fini toute la saga qui concerne le Lincoln. On va les rendre compte à Randvie et on va démarrer la nouvelle quête qui se trouvera à l'Essex, comme je vous l'avais dit. Et puis, on va faire un tout petit peu d'amélioration si je peux, bien sûr. Si je peux faire un tout petit peu d'amélioration, autant au niveau du village qu'au niveau d'Eivor, si c'est possible, avant de partir pour l'Essex. Alors. Pas de courrier, rien, c'est bon. Allez, c'est bon. Le Lincolnshire est notre allié. Excellente nouvelle. Et qui avons-nous pour ami là-bas? Le jeune Unvald est le nouvel Elderman du Lincolnshire. Et il nous a prêté allégeance. Ce Braya, un Elderman? Eh bien, s'il a jamais besoin d'aide, il lui suffira de beugler. Allez, on va continuer. Je sais pas pourquoi ils nous mettent en face comme ça. J'aimerais voir la carte des alliances. Alors, donc on a fait le Lincoln, tout ça et tout, ça c'est cool. Il nous reste l'Essex, le Sussex, et après on partira à Yorvik et Yorvikshire pour finir après sur Gloucester et Nottingham. Et après on finira l'histoire à Ordafilke, donc on va partir en Essex. Et l'Essex? Nous avons reçu une demande de l'Elderman de Colcestre et de son épouse, qui t'est personnellement destinée pour une affaire d'un grand secret. Cela ne me plaît guère. Et qui est cet Elderman? L'un des pions du roi Elfred? D'après mes éclaireurs, il s'intéresse davantage à ses propres plaisirs qu'au sort de sa population. Fais preuve de prudence. Ok. Bon, on va y aller, hein. Je vais partir tout de suite. Une alliance avec les sexes nous serait très précieuse, mais méfie-toi. Ok. Alors on va se tailler de là. Ah, j'ai quand même une lettre, quand même. Bon, on va aller voir ce que c'est. Dwalfgeu, cela fait plaisir de te voir. Ah, bah, c'est une lettre d'achat. Ok. Oh, ok, merci madame. Alors, avant de partir, il faudrait que je regarde combien j'ai de matériaux, tout ça et tout, parce que j'ai quand même fait pas mal de pillages entre temps. Si je peux continuer à améliorer le village, je le fais. Combien est-ce que j'ai? Alors, j'ai pas beaucoup, mais peut-être que. Ah, voyons voir. Qu'est-ce que je dois améliorer encore? Il y a ça là-bas. Alors non, voilà, hop, merci. On va aller là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bah c'est la volaille, allez. Là, on est bon. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai pas construit du tout? Que Oui. vois-tu, Céline? Hop. J'ai pas construit son truc à lui? Ah ouais, lui aussi, je l'ai pas construit son truc. Ok. Je sais pas si j'aurai assez pour tout faire, mais on verra. Allez hop. Voilà, donc ça c'est fait. Ok. On va s'occuper de lui aussi, comme ça c'est fait.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aurais pu oublier? Le vois-tu, ta vieille amie? On va enlever le marqueur. Sinon, tout est fait, je crois. Alors, il manque un truc là-bas. Il manque un truc là-bas. C'est la ferme à grains. Allez, on va aller voir la ferme à grains. D'abord. Tant qu'à faire, autant s'en débarrasser. Combien est-ce que j'ai le masque? J'en ai 47. Allez, on va aller voir monsieur là-bas. Salve, Ivor. Nous n'avons pas encore été présentés. Je suis Octave Claudius Britannicus, collectionneur d'objets romains. Ton nom est imposant, dis donc. Si tu te demandes ce que je peux apporter à cette colonie, il te suffit de songer au plus grand empire que ce monde ait jamais connu. Oui, j'ai vu ces grandes ruines, toutes très impressionnantes. Mais tu n'en as pas vu restaurées, ramenées à leur gloire initiale, je peux t'y aider. Eivor, as-tu jamais été amoureux? Pourquoi cette question? Je me demandais s'il t'était déjà arrivé d'avoir l'impression que ton cœur sortait de ta poitrine en quête de l'insaisissable objet de ton désir. Si tu avais déjà connu l'intense souffrance de voir l'être que tu aimes dans les bras d'un autre. Je ressens cette douleur. Et Maximilien en est la cause. C'est l'un de tes amants? Par les dieux, non! Non, non, non! Maximilien est un serpent et une sangsue, une véritable vipère visqueuse qui te suce le sang. Il m'a volé l'objet de mon amour. Une statue de légionnaire parfaitement préservée. Il est tout ce que je désire en ce monde. Aux dernières nouvelles, Maximilien se tairait à Lunden ou aux alentours, passant son temps à regarder et à caresser mon bien-aimé, sans doute. Si jamais tu le rencontres, salue-le pour moi. J'entends par là, crache-lui au visage et reprends-lui ma statue. Ok. Tiens. D'autres objets anciens pour ta collection. Que m'apportes-tu? Magnifique. Et voici quelque chose pour toi. Okay. Apporte-moi d'autres comme ceci. Tiens, d'autres objets anciens pour ta collection. Je pense que ça va être un épisode où on va pas du tout faire magnifique. Les sexes. Et voici quelque chose pour toi. Tu devrais pouvoir en trouver d'autres. Eh oui. Tiens, d'autres objets anciens pour ta collection. Montre-moi ce que tu as trouvé. Magnifique. Et voici quelque chose pour toi. J'aimerais avoir plus d'objets comme celui-ci. Ok. Tiens, d'autres objets anciens pour ta collection. Que m'apportes-tu? Magnifique. Et voici quelque chose pour toi. D'autres objets de ce genre me seraient utiles. Ah, j'en ai pas 17. Je dois prendre congé. Adieu. J'imagine que cela fera l'affaire pour l'instant, même s'il lui manque la magnificence de l'Empire à son apogée. Ok, donc lui c'est fait, on est tranquille. On va retourner voir la ferme à grains. On va aller faire un tour aussi du côté du forgeron. Attendez, on va peut-être d'abord s'occuper de ça. Bonjour monsieur. Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui? Alors, en cheval. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, ouais. C'est du capitaine a pris ça. Tu as rien d'autre? Ouais, je serais plus tenté par lui pour l'instant. Allez. Voilà. Tu as besoin d'autre chose? Non, merci. Quoique, attends, je vais aller voir la vite fait. Un peu de dressage? Je crois pas que ce soit nécessaire. Non, il n'y a rien de nécessaire. Ok. Tu as fini? Je pars. Porte-toi bien. Alors, cette foutue ferme à grains. Donc, ça, c'est Valka, on s'en fout.
Ah ok. Bon bah allez, vas-y. Voilà, et la dernière étape, c'est un peu chéros quand même, mais on va le faire comme ça, c'est fait, on est tranquille. Normalement, on n'a plus rien à faire après derrière avec la ferme à grains. Faudra juste s'occuper de l'élevage de volailles, je crois, si je dis pas de conneries. Ah si, il y a encore? Bon, ok. Alors, on va s'arrêter là, tout tout calme. On va aller voir Gunnar. Il est pas là. Où est-ce qu'il est celui-là? D'accord, une ou autre. Mais seulement parce que vous avez tous très bon goût. Cette histoire-là. Ah. Un dialogue? Dès sa jeunesse, la tête de Dag n'allait pas très bien. C'est triste qu'il ait fini ainsi, mais tu as fait ce qu'il fallait. Je n'ose pas imaginer ce que tu ressens. Quoi qu'il en soit, il te faut sûrement quelque chose, non? Alors, qu'est-ce que je peux voir faire? Ce que tu proposes. Je peux toujours rien faire, en fait. Tout ce que je fabrique est de qualité, mais là, on attend. Parce que j'aimerais bien améliorer ça. Et j'aimerais bien améliorer cette chose-là. Voilà. Mais pour l'instant, c'est toujours pas possible. Fier de mon travail. Tu as rien fait, monsieur. Calme-toi. On va partir. À bientôt. Bon, alors ça c'est fait. Prochaine rencontre. On va aller voir lui là-bas, on sait jamais. Un lieu mystérieux. Bonjour, bonjour. Chaque clan, ville et siècle est affligé par des gens comme Dag, des orgueilleux, des hommes incapables de reconnaître cassé et déjà trop. Eh ben, ils sont tous mauvais avec Dag, c'est pas possible. Ouais, bon, y a rien d'intéressant quoi en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est moche, bordel. Bon, y a rien, ok. À une prochaine fois, adieu. Va, tu pourras me retrouver ici. Voilà, alors. On a cette foutue quête de monsieur. Où est-ce qu'elle est? Faudrait que je fasse ça aussi. Je pense que j'ai le niveau pour le faire. Aussi, à un moment donné. Bah, peut-être que cet épisode-là, on n'ira pas directement à dans les sexes. Alors. Pas récupérer le trésor au temple de Mitra, est-ce que c'est normal ça? Je regarderai en off. Alors, logiquement, on est accepté ici. C'est là-bas, ouais, donc c'est là où il y a la quête en fait. Ne doit pas être vu par ici. Ah bon? J'ai un ami qui a besoin du petit Romain que tu possèdes, Octave de Lunden. Je crois deviner de qui il s'agit, et non. Osbert ne mettra pas ses pattes graisseuses sur quelque chose d'aussi exquis. Osbert? Oh, comme c'est savoureux! Oui, Osbert, un nom qui va bien à un raté. S'il veut l'avoir, il devra payer le poids d'une vache en argent.
Tu aimes Rome à ce que je vois. Eh bien, moi aussi. Ils avaient d'excellents supplices. La crucifixion, le taureau d'airain. D'où je viens, il y a Eivor. Nez coupé, peau écorchée, dents arrachées pour les porter en collier. On laisse ce qui reste aux oiseaux. Combien déjà ? Ce sera gratuit. Laisse-moi te l'attraper. Il faut que j'aille apporter ça à Osberg. Bon ben voilà. C'est fait. Par contre là-bas ça m'intrigue. Comment ça se fait que j'ai pas été récupérer ce truc moi? Quelle est la raison qui fait que j'ai pas récupéré cet équipement? Alors, ah, sérieusement, je l'ai fait. Je suis vraiment descendu aussi bas. Alors non. Hein. Voilà, merci. Oula, je sais pas, au pire je m'emmerde pour rien, c'est pas très grave. Ouais bon. Je verrai en off comme j'ai dit. Allez, retour à Ravensthorpe. Et puis je pense qu'après on va aller faire l'attaque fluviale. Que je n'ai toujours pas faite. Alors. Bonum fortunam pour tes aventures, Eivor. Octave, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Maximilien t'envoie ses salutations. Oh, quoi? Il te l'a remis? Qu'est-ce qui a pu décider cette fouine puante à s'en séparer? Sans question, point de mensonge. J'espère simplement que tu es content. Et ni toi ni moi ne risquons de revoir cet homme. Oh, merci, Eivor. Merci. Bon, ben voilà. Je dois me mettre en route. Au revoir. Die dulci fuimini. Allez, maintenant on va aller voir... Ah, bon, on va mettre les points de compétences, après on va aller voir Vagneux. Alors, qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste que ça. Ok. Voilà. Ah, mais j'en ai encore un autre. Mec, il n'en met qu'un, il se casse dans le plus grand des calmes. Tu veux les piles? Non, il me faut le deuxième. Le deuxième, c'est quoi? Ça, on s'en fout.
on va prendre celui-là. Voilà. Maintenant, on va aller voir Vagneux. Es-tu prêt à embarquer ? Oui. Je suis prêt. Allons piller. Pour cette première attaque, nous utiliserons mon équipage. Il sera plus facile de te montrer ce qu'il y a sur les bergs. Par la suite, tu pourras faire appel à tes propres Jomsvikings. Les miens ont besoin de repos. Allez, c'est parti. Ce cours d'eau figure sur le regard. Rares sont ceux qui savent naviguer. Les Jomsvikings connaissent. D'après une vieille amie, des contrebandiers romains l'empruntaient à l'époque. Cela leur permettait d'agir. En fait, ce cours d'eau est si bien caché qu'il te permettrait d'attaquer tes voisins sans qu'ils sachent. Ça mérite d'être caché. Regarde, des villageois. Ils ne sont pas bien riches, mais ils sont utiles quand on a besoin de vivre pour les combats. Rappelle-toi que mon équipage est comme une meute. Ils appliqueront des ordres. Ah ok. Maintenez un pour afficher des informations utiles sur l'attaque et votre équipage. Ok. Ok, donc les gros coffres de rations, ça je sais. Mieux vaut regagner le navire. On tient un beau butin, filons. Donc ça c'était du rapide. On va continuer. J'ai connu de pires combats dans des tavernes. Reste quand même aux aguets. La fumée des incendies va alerter les campements en aval. Les combats vont devenir plus ardents. Donc ok, il y a aussi un niveau d'alerte, c'est plutôt pas mal. Là, un campement militaire. Tu y trouveras du ravitaillement étranger et même de l'équipement, avec un peu de chance. D'accord, ces gens vont se battre. Allez, c'est parti. Calme ta graine. Il s'est fait défoncer.
Mais c'est violent. Coucou. Ah, il y en a un qui a besoin d'aide. Je veux bien monter à l'échelle, s'il te plaît. Merci. Non, t'as pas envie. T'es un flemmard. Coffre de marchandises étrangers. Ok. Ça va me permettre de créer la halle des Yoms Viking en fait. Allez, tout le monde au navire. Allez, on va se mettre la prochaine attaque. Ah, attendez. Bah non, c'est des petits coffres de rien du tout. Allez, on va aller s'occuper de ça. Bon, ça va, c'est pas mal. Allez hop. Je te prenais pour un combattant, et tu es resté à l'écart. Te réserve pour des batailles plus dures? Je suis surtout capitaine. C'est étonnant, non? Un pillard. Après avoir passé des années à donner et recevoir des coups, on devient aussi raide qu'un chêne, alors mieux vaut rester à bord. Allez. Allez, on va continuer encore un peu. Allez hop. Allons nourrir les corbeaux aujourd'hui. Allez hop, ça dégage. Dégage, monsieur. Qu'est-ce que... Qui m'a vu? Foiré. Voilà. J'imagine qu'il faut passer par là-haut pour avoir accès à l'intérieur. N'est-ce pas? Non, même pas? Bah comment je l'ai alors? Il doit forcément y avoir un truc, non? Peut-être par là. Même plus. Comment j'ai le coffre, bordel?
Bah. Ah mais oui. Aveugle.com, tu connais? Hé, hey, par ici. Bah ouais, théoriquement, j'ai retrouvé les... Bon. On a ce qu'on voulait. Allons-y. Théoriquement, j'ai trouvé les deux coffres, mais... Nous, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi pour la suite d'Assassin's Creed Valhalla. Je pense qu'on va continuer sur l'attaque fluviale et puis on verra après en fonction de ce qui se passe. Enfin bref, d'ici la prochaine de vous, c'était Warlocks. Et salut.